Je suis Madame Ananga Messina Clémentine, ministre déléguée chargée du développement rural de la République du Cameroun. Nous sommes ici au salon sur invitation du ministre français de l'Agriculture. Le salon de l'agriculture, pour nous, c'est une occasion de voir ce qui se fait ailleurs, de pouvoir échanger avec les autres comment ils ont fait. Parce que l'ambition de notre pays, c'est de devenir un pays émergent avec l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et l'agriculture, c'est l'un des piliers de l'émergence. Un pays émergent, c'est un pays qui produit, un pays qui transforme, un pays qui vend. Et là, nous sommes là dans le pavillon du Cameroun pour vendre les produits camerounais. Déjà, les produits du cru, comme vous pouvez le voir, des papayes, des ananas, des mangues, de la banane et tous les autres produits. Vous avez également des produits transformés, vous avez du chocolat, vous avez des produits de haute valeur commerciale, comme le poivre de Penja, le miel blanc de Oku, de la banane et des chips. Tout ça dans des normes aussi bien internationales que nationales. Donc, nous sommes là véritablement vers le pilier de l'émergence. Et le chef de l'État, dans son dernier discours, nous a demandé d'accélérer, d'aller beaucoup plus loin vers l'industrialisation. Et l'industrialisation commence par une production massive, une production dans les normes qui permet de massifier la production à un niveau qu'on puisse transformer et être compétitif sur tous les marchés. Et nous avons visité, depuis que nous sommes là, beaucoup de stands et je pense que le Cameroun est sur la bonne voie. Il faut l'émergence du Cameroun en 2035 dans le domaine de l'agriculture. Cela se transformerait, cela se manifesterait comment? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est un pays, nous voulons produire, vendre, être compétitif sur tous les marchés. Et vous avez vu, nous ne sommes pas très complexés. Ce que nous voulons faire avec la suggestion, ce que nous avons, c'est être beaucoup plus présents sur de tels endroits qui nous permettent d'échanger sur notre capacité d'accélérer la production de façon dans les normes qui puissent être acceptées au niveau international. On a beaucoup parlé des accords de libre-échange entre l'Union européenne et l'Afrique. Quelle est la position du Cameroun en matière d'agriculture sur cette ambition? Écoutez, nous sommes... je pense que toute action a des avantages et des désavantages, mais je pense que sur le côté avantage, nous sommes amenés à produire beaucoup plus de façon compétitive. Ces accords nous amènent à être beaucoup plus compétitifs et je pense que nous avons la matière. Donc nous devons nous mettre dans le créneau qui nous permette d'être compétitifs à partir de la transformation de nos matières premières.